Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je veux faire depuis hyper longtemps, mais je savais pas si c'était une vidéo qui allait vous intéresser. Du coup je vous avais demandé à plusieurs reprises si cette vidéo pourrait vous intéresser, si vous auriez envie que je la fasse. Finalement vous étiez nombreux à me dire oui, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et aujourd'hui on va parler de Charlie D'Amelio et toutes les filles qui font tout pour lui ressembler. Dans cette vidéo on va aborder deux cas différents de deux filles qui font tout pour ressembler à Charlie. Il y en a un où c'est beaucoup moins grave entre guillemets que l'autre, donc il y aura vraiment un cas qui est inquiétant et l'autre un peu moins. Donc bref voilà, vous allez voir, aujourd'hui on va parler vraiment de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, si jamais vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, c'est hyper important, c'est là où vous êtes au courant de tout en temps réel. Venez me suivre sur mon petit Instagram, ça prend 2 secondes, vous tapez TonyDSTS sur Instagram et là vous allez être au courant de tout ce qui se passe. Je vous poste tout en temps réel, vraiment je vous fais 3 à 4 posts par jour pour vous tenir au courant de tous les dramas. Donc si vous me suivez pas sur Insta, venez vraiment me suivre, c'est important pour être au courant de tout ce dont je parle dans mes vidéos, etc. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go! La première personne dont on va parler, c'est un cas qui a été extrêmement connu. Tout le monde en a déjà parlé, beaucoup de chaînes américaines en ont déjà parlé. Mais moi j'avais envie de parler de ça et de vraiment vous dire ce que je pense, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis sur cette fille et j'avais envie vraiment de tout vous dire et vraiment vous parler de tous les dramas qui sont passés sur elle et pourquoi il y a énormément de gens qui la détestent. On va vraiment parler du cas de Hailee Zeiler, parce que je voulais vraiment parler de cette fille, parce que d'un côté il y a des gens qui la trouvent hyper problématique et de l'autre il y a des gens qui l'adorent. Donc on va un peu analyser cette situation et savoir pourquoi certaines personnes la détestent, d'autres l'adorent. On va vraiment regarder tout ça ensemble et je vais tout vous expliquer tous les dramas qu'il y a eu. Donc faut savoir que Hailee Zeiler, elle était pas vraiment connue à la base, genre c'est pas une meuf genre qui avait beaucoup d'abonnés sur TikTok, qui était reconnue ou quoi, de base pas du tout. Hailee, elle s'est fait connaître grâce à un seul TikTok qui a vraiment buzzé de ouf, jusqu'à tous les TikTokers américains ont commenté son TikTok. C'est un TikTok qu'elle a fait avec une capuche ou tout simplement elle a fait des transitions et tout, bref. En fait sur ce TikTok, énormément de gens ont remarqué qu'elle ressemblait beaucoup à Charlie D'Amelio. Vraiment beaucoup de gens ont remarqué ça, donc le TikTok a commencé à glow up, elle a commencé à faire beaucoup de likes, beaucoup de vues sur ce TikTok là. Même Charlie D'Amelio qui a pu voir ce TikTok et qui l'a commenté. You telling me this isn't me, genre en mode vous me dites que ce n'est pas moi, genre même elle était perplexe en voyant ce TikTok et elle était en mode mais what the fuck, genre c'est moi en fait. Même elle en voyant le TikTok elle s'est dit mais c'est trop bizarre, genre j'ai vraiment l'impression que c'est moi, genre, et elle était perdue. À Dixie, donc la sœur de Charlie, qui a commenté également en disant I'm scared, donc ce qui veut clairement dire j'ai peur. Donc limite Dixie était effrayée de voir une fille qui ressemble autant à sa sœur. Ça a vraiment fait beaucoup parler et Hailee elle a commencé à avoir une hype à partir de ça en fait, parce que tout le monde s'est dit what, elle ressemble vraiment trop à Charlie. C'est là que tout a commencé pour elle. Bien sûr d'un côté il y avait des gens qui disaient toujours qu'elle ressemble pas à Charlie, d'autres si, enfin bref. Mais en tout cas quoi qu'il arrive, Charlie elle-même a commenté, donc c'est qu'il y avait un minimum de ressemblance. De là le problème c'est que cette fille est devenue connue parce que les gens trouvaient qu'elle ressemblait à Charlie. Donc il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites, il y a pas mal de gens qui ont analysé un peu comment Hailee était, ce qu'elle faisait, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont remarqué des similitudes entre par exemple le style de Charlie et le style d'Hailee, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de TikTok où leur tenue se ressemblait beaucoup, où elle faisait approximativement les mêmes danses, il y avait pas mal de trucs qui étaient assez étranges. Donc certes voilà, par rapport au style, il y a plein de gens qui ont remarqué que Hailee copiait le style de Charlie, mais derrière on peut pas dire qu'elle copiait ses danses. Parce qu'en soi, les danses TikTok, tout le monde en fait. Moi-même, je fais les mêmes danses que Charlie, alors que je ressemble pas du tout. Genre, enfin, tout le monde fait les mêmes danses que Charlie. Charlie, c'est la numéro 1 sur l'app. En gros, si vous avez pas remarqué, il y a Charlie qui s'était coupé les cheveux, donc qui s'était fait un carré. Enfin, bref, elle l'a toujours d'ailleurs son carré, même s'il est un peu repoussé. Mais en gros, Hailee, quand elle a vu que tout le monde disait qu'elle ressemblait à Charlie, en fait, elle a commencé à supprimer tous les TikTok qu'elle avait fait avant. Donc, c'est-à-dire que ça, j'ai aucune preuve, mais j'ai vu sur plein de chaînes américaines, plein d'Instagram américains, etc., que plein de gens montraient des preuves comme quoi Hailee avait supprimé tous les anciens TikTok de son compte. C'est-à-dire que maintenant, tous les TikTok qu'elle a encore en ligne, c'est des TikTok où elle ressemble beaucoup à Charlie. Mais les anciens, elle les a supprimés, c'est-à-dire les TikTok où elle avait les cheveux plus longs, enfin plein de trucs comme ça, elle les a tous supprimés. Du coup ça a fait vraiment polémique et il y a plein de gens dont des anciennes amies à elle, donc des anciennes potes, des anciens meilleurs potes, même bref, des anciens potes à elle de son passé qui ont décidé de faire surgir des photos d'elle de quand elle était jeune. Il y a pas mal de photos d'elle de qui datent d'il y a quelques années, mais pas de si longtemps en soi, genre des photos qui ont surgi sur les réseaux sociaux. Sur ces photos c'est vrai qu'il y a, enfin moi je trouve personnellement que sur ces photos elle a aucune ressemblance avec Charlie D'Amelio. Donc là pareil ça a fait beaucoup parler parce que du coup les gens
sont encore plus persuadés maintenant qu'elle fait tout pour ressembler à Charlie, parce que sur les photos où on la voit il y a quelques années, elle avait aucune ressemblance avec elle. Aujourd'hui, elle a le même style qu'elle, la même coupe de cheveux qu'elle. C'est vrai que ça peut porter à confusion. On n'est personne pour juger, et personnellement, Ellie, je ne sais pas quel est son but, je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais je peux comprendre que toutes ces choses qu'on voit sur les réseaux, ça peut faire penser qu'elle fait tout pour ressembler à Charlie, parce que elle a une ressemblance avec Charlie, elle est connue pour ça, elle a à peu près le même style qu'elle, et elle a fait la même coupe, enfin, je sais pas, genre, il y a trop de trucs qui sont chelous. Ensuite, on va parler du gros drama qui a éclaté entre Ellie et Charlie. Alors franchement, ce drama, tout le monde en a parlé aux États-Unis. Moi, c'est un drama que j'ai pas vraiment abordé, que ce soit sur ma chaîne ou sur Instagram. Beaucoup de gens m'envoyaient des DM ou des trucs par rapport à ce drama-là, et je voulais vraiment, vraiment vous en parler. Tout a commencé lorsqu'un compte Twitter nommé Charlie D'Amelio, c'est-à-dire qu'ils ont marqué Charlie D'Amelio mais sans le L en fait. Je sais pas si la bio a été changée ou quoi, mais ce compte du coup du jour au lendemain s'est fait passer pour Charlie. C'est-à-dire que ce compte s'appelait Charlie D'Amelio, sauf que en dessous dans la bio c'était clairement marqué backup account genre de Charlie D'Amelio, en gros second compte de Charlie D'Amelio. Du coup il y a plein de gens qui se sont fait avoir et qui se sont abonnés etc, et en pensant que le compte appartient à Charlie, que c'est son compte secondaire. De là rien d'alarmant, sauf que un jour sur ce compte il y a une photo qui a été posté et même épinglé je crois sur le compte Twitter où on voit Charlie D'Amelio, enfin c'est pas vraiment Charlie du coup mais une fille qui ressemble à Charlie avec une capuche et qui tient un espèce de mug de thé, enfin une tasse de thé dans la main. Du coup, bah ça a encore plus berné certains abonnés parce qu'il y a plein de gens qui disaient waouh, donc c'est vraiment le compte de Charlie, c'est Charlie, parce que cette fille les gens trouvaient qu'elle ressemblait beaucoup à Charlie, donc avec une capuche comme ça on peut pas vraiment voir qui c'est, vous voyez ce que je veux dire. Les gens ont grave pensé que c'était encore plus le compte de Charlie, et du coup cette fille en question s'est fait passer pour Charlie. De là, avec tout ce qui sortait sur Ellie Zeiler, il y a pas mal de gens qui commençaient à l'accuser mais sans preuve, parce que comme par hasard cette fille sort du jour au lendemain en ressemblant à Charlie, et en plus de ça derrière il y a un Twitter qui se fait passer pour elle bizarre, avec une photo d'une fille qui ressemble, enfin il y avait trop de trucs bizarres. Les gens sont très très intelligents, surtout les Américains, ils adorent les dramas et ils adorent faire des enquêtes sur tout ce qui se passe, ils adorent ça encore plus que moi. Donc les Américains ont fait des petites enquêtes et ils ont clairement cherché des indices pour savoir si ce compte Twitter appartient bien à Ellie et si c'est bien Ellie qui se fait passer pour Charlie. Donc comme je vous ai dit sur la photo, cette fille tient un mug de thé avec une capuche etc, sauf que sur ses mains on peut remarquer qu'elle a une bague avec un motif dessus, genre une bague en or avec un gros motif. Ellie a pratiquement la même bague. Vous pouvez regarder sur pas mal de ses TikTok, elle porte très souvent cette bague et c'est une bague en soi qui est assez reconnaissable parce que comme je vous le dis, elle est assez grosse et il y a un motif dessus, donc c'est pas compliqué à la remarquer. Donc moi, pour comparer tout ça et pour vous montrer tout ça, j'ai tout simplement fait des screens des TikTok de Ellie où on voit assez bien ses bagues. C'est vrai que sur ses TikTok, elle porte une bague ultra similaire, les gars. Pour moi, c'est vraiment étrange. Ellie perce du jour au lendemain en ressemblant à Charlie. Derrière, il y a un compte Twitter qui se crée, qui se fait passer pour Charlie avec une fille qui lui ressemble, et comme par hasard la fille porte presque la même bague que Ellie. Trop d'incohérences, trop de trucs bizarres. Surtout que sur le compte en question, Charlie D'Amelio là, qui se faisait passer pour Charlie, quand vous allez dans les likes, il y a grave des tweets de Ellie qui ont été likés par le compte ou des photos d'Ellie, et ça je trouve ça encore plus bizarre parce que je me dis Ellie à ce moment là elle n'était pas hyper connue comme maintenant, elle avait pas 2 millions ou je sais pas quoi, et comme par hasard ce compte en question a liké les trucs d'Ellie. Enfin, je sais pas, pour faire quoi, cette fille n'était pas connue à l'époque. Bref, c'est étrange. Après, moi, je vous ai tout expliqué là-dessus. Je vais pas trop m'étaler. Je ne sais pas vraiment si c'est elle qui tenait ce compte. Mais en tout cas, sachez que ça a fait une énorme polémique aux States. C'est vraiment un truc de ouf. Et du coup, bah, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous pensez que c'est Ellie qui tenait le compte ou non. Également, par rapport à Ellie, elle a clôturé le truc avec toute cette histoire de Twitter et tous ces gens qui disent qu'elle fait tout pour ressembler à Charlie. Elle a tout simplement conclu tout ça en faisant un live avec sa maman, avec sa famille et tout. On voit la maman d'Ellie qui dit clairement « Oui, moi j'ai éduqué mes enfants à ce qu'ils soient eux-mêmes. Je leur ai jamais appris à ressembler à qui que ce soit. Pour moi, Ellie est unique en gros et elle n'essaie de ressembler à personne. No, I need to say something. I only have one Twitter account and it's Ellie Zeiler 1 and I made it a few days ago and that's all I'm going to say about it. I've raised 3 kids to be exactly who they are and I've always said, what have I always said? Don't try to be anybody else because guess what? Everyone's taken. Else is taken.
Just focus on being you. Donc pour l'histoire d'Ellie et Charlie, voilà ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment un drama dont tout le monde a parlé aux États-Unis. Sauf que moi, je vous en avais pas encore parlé sur Instagram. Mais du coup, voilà pour ce qui s'est passé, parce que vous étiez nombreux à me demander. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que c'est Ellie qui tenait le compte Twitter, qui se faisait passer pour Charlie? Qu'est-ce que vous pensez de elle? Dites-moi tout dans les commentaires. Moi, je pense juste qu'il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire et que... Pour moi, Ellie n'est pas totalement innocente. Après, je ne blâme pas cette fille parce qu'en soi, elle est toute choupie et tout. Mais voilà, genre, il y a beaucoup d'incohérences dans cette histoire. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on va parler d'un autre cas. Donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un cas qui était un peu plus grave que l'autre. Sachez que le cas d'Ellie, c'était le cas le moins grave. Là, j'ai parlé d'un cas que je trouve vraiment hyper grave et que je trouve... malsain. Limite, pour moi, ça devient malsain. Donc en fait, c'est une fille qui s'appelle Shiraka Cohen. Je crois que c'est ça son nom. Par rapport à son TikTok, je le trouve ultra, ultra malsain. Ellie, c'est une fille, par exemple, qui a percé parce qu'elle ressemble à Charlie, mais pas d'une manière malsaine. C'est-à-dire que c'est pas une fille qui a tout fait pour ressembler à Charlie, qui a acheté les mêmes vêtements, qui s'est fait les mêmes coiffures, les machins. En fait, elle a percé, entre guillemets, sans le vouloir au départ. C'est ensuite que ça a tourné mal. Cette fille-là, Shiraka, c'est vraiment un truc que je trouve malsain. C'est-à-dire que c'est une fille qui fait vraiment tout pour ressembler à Charlie. Elle fait les mêmes coiffures, elle porte les mêmes bijoux, elle fait les mêmes danses qu'elle, elle met les mêmes vêtements qu'elle. Genre vraiment, c'est un truc de malade et ça en devient, je trouve, méga malsain. Pour vous mettre des exemples, j'avais vu par exemple un exemple où Charlie, elle a par exemple une veste grise avec un débardeur blanc. Et vraiment, cette fille, elle a fait exactement le même TikTok que Charlie. Elle a mis la même tenue, les mêmes bijoux, elle a fait la même danse. Et vraiment, genre, elle a tout fait pour ressembler à Charlie. Je sais pas, moi, ça me gêne, perso. Je me mets à la place de Charlie D'Amelio et je me dis que je pense que je serais hyper mal à l'aise si je voyais des mecs, genre, tout faire pour me ressembler, c'est-à-dire acheter les mêmes vêtements, acheter les mêmes chaussures, les mêmes trucs, faire la même coupe que moi, machin. Genre, non, non, je trouve ça ultra malaisant. En vrai, vous avez juste à aller dans les commentaires, vous allez voir... que la plupart des gens sont d'accord avec moi. Genre, vous regardez les commentaires de cette fille sur ses TikTok. À ce point, tu essayes d'être Charlie. Oh là là, je croyais que c'était Charlie pendant une seconde. Tu ne seras jamais Charlie. Enfin, genre, que des trucs comme ça. Et tout le monde lui dit qu'elle a fait tout pour ressembler à Charlie. Mais derrière, elle continue. Donc, c'est hyper bizarre. Cette fille-là, vous allez dans ses premiers TikTok. Elle n'a aucune ressemblance avec Charlie. Clairement, aucune, genre. Et en plus de ça, elle a... un style grave à elle, genre elle avait grave un style propre à elle. Elle avait son propre style, elle essayait de ressembler à personne et elle était beaucoup plus jolie comme ça. Et là vous voyez vraiment que cette fille, ça lui est monté à la tête en fait. Elle avait un TikTok où elle ressemblait un peu à Charlie, où tout le monde a commenté en mode waouh, tu ressembles à Charlie, j'ai cru que c'était Charlie. Et elle a fait beaucoup de vues, du coup elle continue à le faire. Mais moi je trouve ça grave bizarre. Et vraiment vous regardez ses anciens TikTok, elle ressemblait pas du tout à Charlie. Et dans son style, elle avait un style à elle quoi. Et là, tous ces TikTok, je vais vous mettre d'autres exemples, mais vraiment dans tous ces TikTok, la plupart, elle fait la même coiffure, elle met les mêmes bijoux et les mêmes vêtements que Charlie. On peut s'inspirer, c'est-à-dire que, tiens, là je porte un t-shirt, imaginons, mes abonnés me disent d'où il vient, ils achètent le même. Tant mieux! Mais ce que je veux dire, c'est là, genre faire la même coiffure que la personne, les mêmes vêtements que la personne, limite le même make-up que la personne, les mêmes bijoux que la personne. Non, c'est trop, ça va trop loin, genre vraiment ça va trop loin. Donc voilà les gars, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis surtout, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos un peu dans le même sujet où je parle des sosies d'autres stars. Par exemple, j'avais pensé à faire par rapport à Ariana Grande parce que sur TikTok, il y a la masse de meufs qui essayent de ressembler à Ariana Grande et c'est vraiment un sujet que je trouve grave intéressant. En tout cas, moi je fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort, n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe. Gros bisous!